Au sommaire de ce journal, quelques centaines de policiers mobilisés par le groupement de la sécurité routière pour faciliter la mobilité à Bamako avant, pendant et après la fête de Tabaski. Vous entendrez le commissaire divisionnaire de police, Panama Dambélé, commandant du GSR, dès le début de ce journal. Malgré la crise financière, les salons de coiffure ne désemplissent pas. Les femmes affluent chez les tresseuses traditionnelles qui n'ont pas besoin d'électricité ou presque pour leur activité. Les files d'attente ne découragent pas les adolescentes qui sont suffisamment armées de patience pour se faire belles pour la fête. Les bandits armés continuent de dépouiller les pauvres éleveurs sans défense de leur bétail. Au moins 1000 bœufs ont été dérobés cette semaine dans les villages de Nenena et Folomana, cercle de Massina. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Pour faciliter le mouvement à Bamako, à la veille de la fête de Tabaski, le groupement de sécurité routière mobilise quelques centaines de policiers. Des axes prioritaires sont identifiés et des mesures sont prises jusqu'à la fête de Tabaski. Le commissaire divisionnaire de police, Panama Dambélé, commandant du groupement de la sécurité routière, nous donne plus de détails au micro de notre reporter, Zakaria Oumar Keïta. À la veille des fêtes, Nous avons pris des dispositions en réquisitionnant quelques centaines de policiers répartis dans la ville de Bamako pour faciliter les déplacements des populations. Nous avons choisi cinq principaux axes, à savoir de l'intersection foyer, de l'intersection cité ministérielle, communément appelé foyer de l'air, au carrefour sommet pour joindre la première intersection appelée 30 mètres. Ça, c'est le premier axe. Le second axe part de l'ancien pont, le premier pont, pour rallier Stop Algérie en passant par Autogare jusqu'à la Tour d'Afrique. Vous allez constater que nous avons mis nos motards qui vont sillonner ces différents axes. L'objectif est de débloquer, en cas de bouchon, nos concitoyens puissent aller et venir en tranquillité totale. Les grands carrefours traditionnels, c'est-à-dire nos carrefours de circulation et les carrefours de fluidité où les policiers stationnent au quotidien, sont renforcés pour faciliter l'affluence massive de la population. Nous informons nos concitoyens qu'il est impératif d'observer le code de la route, de conduire dans les normes de vitesse requises, de ne jamais consommer de stupéfiants quand on est au volant ou bien sur la moto, de ne pas prendre le téléphone au volant ou sur la moto, porter les casques pour les conducteurs des engins à deux roues ou trois roues, et se référer aux recommandations de nos agents, de nos policiers, au niveau des différents carrefours. Rythme de la fête de Tabaski, l'affluence est au rendez-vous chez les tresseuses de la capitale. L'avantage pour la plupart d'entre elles est que leur activité n'est pas liée à l'électricité, désormais très rare à Bamako. À deux jours de la fête de Tabaski, Aminata Bacho Kone et Zakaria Oumar Keïta ont fait le tour de quelques salons de coiffure pour observer cet engouement. Suivons ensemble. Les petites perles colorées ornent les bouts des nattes. Elles ajoutent une touche de gaieté aux coiffures traditionnelles. Les belles nattes exigent des efforts pour les tresseuses et d'énormes sacrifices pour les clientes qui doivent suivre la queue pendant 2 heures. C'est le prix à payer pour se faire belle pour la fête qui sera célébrée lundi dans notre pays. Si certaines tresseuses se satisfont de la forte affluence, d'autres regrettent la baisse des activités par rapport à l'année dernière. Même les parents des enfants parlent trop. Même si on dit on veut tresser les enfants à 2000 francs ou bien à 3000 francs, ils vont dire que non, il n'y a pas d'argent cette année, donc on est obligé de faire les tresses de 2000 francs à 3000 francs.
La patience est mise à rude épreuve, tant pour les trousseuses que pour les clientes. Du côté des clientes, l'attente est souvent longue et éprouvante. J'ai amené mes enfants depuis 5 heures du matin, pour qu'elles puissent se dresser. Chaque année, j'amène mes enfants, elles dressent mes enfants. Malgré ces défis, l'ambiance reste chaleureuse et conviviale. Les rires, les discussions animées et les échanges de conseils de beauté créent une atmosphère de communauté et de partage. Pour les tresseuses, cette période est aussi l'occasion de réaliser un chiffre d'affaires significatif car la demande est à son apogée. Ceux qui sont ici, on va les libérer. Après, on va prendre les autres qui vont venir, Inch'Allah. Entre patience et habileté, tresseuses et clientes préparent ensemble cette fête avec enthousiasme et dévouement, contribuant à perpétuer les traditions tout en ajoutant une touche de modernité et de couleur à la célébration. Ce samedi 15 juin 2024, le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite au parc des expositions de Bamako où se tient depuis le 6 juin 2024 la grande foire de Tabaski dénommée Séliba Sougou, une initiative de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Mali. Moussa Alassane Diallo est venu s'assurer du bon déroulement de Séliba Sougou et encourager les exposants. Écoutons-le au micro de Gabriel Keïta et Mantala Ouattara. Donc, toutes les initiatives aujourd'hui prises par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'inscrivent dans le renforcement, dans le soutien et l'accompagnement des instructions de son excellence, le président de l'État, par rapport aux populations. Et l'organisation de Séliba Sougou s'inscrit dans cette dynamique. Comment aujourd'hui structurer le marché commercial, comment réunir l'ensemble des composantes du marché sur un même lieu, de façon à la fois à produire et à fournir des produits, mais aussi et surtout à faciliter la vie aux populations qui peuvent, sur un même endroit, sur un même lieu, retrouver tous les produits dont ils ont besoin pour la fête. Et c'est cette initiative salvatrice que je voulais saluer, encourager et demander à la Chambre du commerce de renforcer ce dispositif-là, parce que c'est un dispositif qui permet aussi de rapprocher les commerçants avec les populations. Toute chose qui est de nature aussi à améliorer le chiffre d'affaires de ces commerçants-là, mais aussi à permettre à nos populations d'accéder à des produits diversifiés, mais aussi et surtout à moindre coût. Je me félicite aussi vraiment de cette dimension sous-régionale que Séliba Sougou a eu à prendre. J'ai visité des stands de nos pays de l'AIS, notamment le Burkina et le Niger, mais aussi des pays membres de l'UMOA comme le Togo. Je pense que c'est une excellente initiative qu'il faut poursuivre, densifier, renforcer de façon à faire du secteur commercial un moteur aussi de croissance et de développement pour notre pays. Toujours dans le cadre de la fête de Tabaski, notre rédaction s'est intéressée à la bête à immoler. Quelles sont les caractéristiques d'animaux qui doivent être immolés? Quel est l'âge recommandé pour la bête? Ce sont autant de questions posées par notre reporter Amadou Diarra que le docteur Tidiane Diarra a donné des réponses. Suivons ensemble. Et dans la jurisprudence musulmane, c'est le sacrifice, l'animal qui va être sacrifié le jour de la fête afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son sacrifice constitue une adoration en soi. Et les législateurs, à travers le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a spécifié le type d'animaux qui peuvent être les sacrifices. Et à travers le Coran, et le prophète aussi les a explicités. En arabe, dans la jurisprudence, on dit al-an'am. Al-an'am, les bestiaux. Ces bestiaux, il s'agit de 4 types, les petits ruminants et les gros ruminants, c'est-à-dire les brebis, les moutons, ce que les gens appellent communément les moutons. Les moutons, ça c'est le premier type d'animal qui peut être le sacrifice. Ensuite, les chèvres. Les chèvres aussi, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est les bovins. Ce qu'on appelle les veaux, les taureaux, les vaches, de façon générale, les bovins. Et enfin, le quatrième type, c'est les camélins, donc les chameaux. Donc les chameaux, les taureaux ou les vaches, maintenant les chèvres, ainsi que les petits ruminants, les moutons.
Donc, ce sont les quatre types d'animaux qui peuvent être des sacrifices des Tabaski. Maintenant, pour le, ce n'est pas que le type d'animal, il y a d'autres exigences. Maintenant c'est parmi ces exigences, il y a la question de l'âge. Pour le mouton, si c'est les moutons, il est souhaitable, il est demandé, il est exigé à ce que les moutons atteignent au minimum 6 mois. Il faut que le mouton atteigne 6 mois, 6 mois et plus, maintenant jusqu'à une année. Mais l'âge minimal quand même, c'est 6 mois pour le mouton. Et en ce qui concerne les chèvres doivent atteindre au moins une année. Il faut que l'année soit complète. Maintenant, si ça arrive à la deuxième année, c'est encore mieux. Mais au minimum, il faut qu'une année, 12 mois. Et en ce qui concerne les vaches, les taureaux, un minimum, il faut que ces animaux atteignent 2 ans, 2 ans pleins. Maintenant, et qu'ils rentrent en troisième année. Et pour les chameaux doivent atteindre 5 ans. 5 ans. Maintenant, chameau, 5 ans, les vaches, les taureaux, maintenant, 2 ans à 3 ans. Il faut que 2 ans soient pleines jusqu'à 3 ans. Et en ce qui concerne les chèvres, une année. Donc, maintenant, pour les moutons, 6 mois au minimum. Donc, ça, c'est les spécificités des critères en termes de l'âge. Il y a d'autres critères aussi. Ça, c'est en termes de la description même. Maintenant, ces animaux ne doivent pas avoir des défauts qui sont apparents. Des défauts apparents, notamment, mais il ne faut pas que ce soit des animaux aveugles, des animaux malvoyants qu'on sent à leur marche, à leur mouvement. Donc un animal qui ne voit pas, qui fait toujours des accidents en marchant, parce à cause de sa faiblesse de vision, donc ça peut être une limitation en termes de l'animal. Le deuxième critère, maintenant, d'élimination, il ne faut pas que l'animal soit, comment dire, ait des défauts au niveau du pied. Maintenant, en telle sorte que quand l'animal marche, l'animal boite. Un animal qui boite, donc ça ne peut pas faire l'affaire. Et aussi, l'animal doit avoir ses cornes. Il ne faut pas que l'une des cornes soit cassée. Maintenant, si les cornes, plus d'un tiers de cornes est cassée, cet animal ne peut plus servir comme de sacrifice. Et aussi, quatrième élément, l'animal ne doit pas être très, 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 très maigre. De telle sorte qu'on voit ses os. Maintenant, on voit ses vertèbres à travers son corps. Donc, ça veut dire que c'est une insuffisance maintenant par rapport à la condition pour le sacrifice d'un animal. Actualité dans un autre registre. Les bandits armés continuent à sévir dans le cercle de Massina. En plus des attaques ciblées contre les civils, ils s'attaquent aussi au bétail. Cette semaine, au moins 1000 bœufs ont été emportés dans la zone. Suivons ensemble les explications. Plus de 1000 bœufs ont été enlevés par les hommes non identifiés dans les villages de Ninina et Folomana dans le cercle de Massina. C'était dans la nuit du dimanche à lundi 10 juin 2024, ont indiqué des autorités locales. Des habitants affirment que les auteurs sont arrivés en nombre à moto avec 3 véhicules encerclant les 10 villages et procédant aux enlèvements. Cette situation, qui n'est pas une première, a créé la piscose dans la zone. Les bœufs, moutons et autres cabris représentent l'un des piliers de l'économie. C'est même le 3e produit exporté après l'or et le coton. Une activité prolifique qui n'a pas échappé aux différents groupes armés et terroristes, souvent pointés du doigt lors des vols. En tout cas, au nord comme dans le centre du pays, pour les combattants terroristes, le bétail enlevé est devenu une source de financement et un moyen de subsistance. De nouvelles mesures sécuritaires ont été instaurées dans les villages de Koima, Sadou, Koira et Chirisoro dans la commune de Gouzouré, région de Gao. Désormais, les horaires de la traversée du fleuve ont été fixés et de 6h30 le matin à 18h le soir. La décision a été prise lors d'une rencontre des autorités de ces villages le 13 juin 2024. Selon des sources locales, les bandits armés se servent des pirogues pour traverser le fleuve afin de braquer les populations. Le Lions Club Région 12, qui comprend l'ensemble des régions du Mali, a procédé ce vendredi à la cérémonie de remise de la charte du Lions Club Bamako Solidarité. Elle a été faite par le gouverneur du district 403A1, Mariam Diallo Tunkara. Les nouveaux membres se sont engagés à faire du bien à autrui. Les détails avec Amadou Diarra qui nous revient.
Les anciens Lions ont accueilli les nouveaux du Lions Club Bamako Solidarité par des applaudissements. Cette cérémonie marque la remise des chartes du Lions Club Bamako Solidarité par le gouverneur du district, 403-1, Madame Tunkara Mariam Diallo. Les nouveaux Lions ont ainsi prêté serment de servir la communauté avec loyauté. Qui ont décidé vraiment de se mettre ensemble pour faire du bien et faire ce qu'ils peuvent à autrui. Alors, pour ce cas-ci, c'est la création d'un nouveau club de 22 membres. Et ce club s'appelle Bamako Solidarité. Et donc, c'est des jeunes qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir soulager la souffrance des populations. Et donc, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est la remise de chartes. Parce que quand on crée un club, il y a plusieurs étapes. Et la fin du processus consiste à leur remettre une charte qui est le symbole de leur engagement et qui est le symbole aussi de leur appartenance à notre association. Après la remise de cette charte, il y a l'intronisation des membres du club et l'intronisation des officiels. Et donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Le président du Lions Club Bamako Solidarité a rassuré les anciens membres de sa disponibilité à servir loyalement. Nous allons nous mettre au travail dès maintenant et nous allons montrer à toutes et à tous que le Lions Club Bamako Solidarité, fort de ses membres de qualité, est en effet un groupe de personnes qui œuvrent pour le bien de nos populations. Satisfaite de sa visite au Mali, le gouverneur du district 403-1 a apprécié la collaboration de Lions Club du Mali pour l'atteinte de ses objectifs. Elle a également profité de l'occasion pour prodiguer des conseils au nouveau Lion. C'est de rester de bons Lions. Et être Lion veut dire faire du service dans les communautés, parce que c'est l'essence même de notre existence. Notre devise, c'est nous servons, we serve. Donc, quand on est Lion, notre devoir, c'est de servir les communautés. Partout où il y a un besoin, ils doivent être là, identifier le besoin, travailler avec les communautés locales, apporter leur contribution par les moyens de notre fondation qui est là pour nous les Lions et aussi mouiller le maillot, c'est-à-dire travailler pour que les populations qui nous entourent soient et le minimum requis pour vivre dignement. La cérémonie de remise des chartes du Lions Club Bamako Solidarité s'est terminée par le partage des attestations et des insignes. Le Lions Club Région 12 a également profité pour offrir un cadeau au gouverneur du district, 403-1. Direction Nioro du Sahel, où le shérif Mbouye Aïdara rassure le réseau des communicateurs traditionnels de la commune 1 de son soutien et de son accompagnement pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. C'était au cours d'une mission du Recotrad dans la localité cette semaine. Maliki Diallo nous en parle. Cette visite du réseau des communicateurs traditionnels Recotrad de la commune 1 à Nioro du Sahel rentre dans le cadre de leur initiative d'impliquer les leaders religieux et coutumiers dans la recherche de la paix, de la stabilité et du vivre ensemble au Mali. La délégation a d'abord rendu visite au Recotrad de Nioro du Sahel et d'échanger avec les autorités régionales. Nos chefs nous ont dépêchés auprès du shérif Bouye afin qu'il fasse beaucoup de bénédictions pour les pays qui traversent des moments difficiles. Nous sommes convaincus que sa parole et ses bénédictions comptent pour la stabilité dans notre pays. Nous sommes des hommes de caste et nous agissons au nom du Recotrad. La délégation s'est ensuite rendue chez le shérif de Nioro. À l'issue des échanges, Bouye Aïdara a rassuré le Recotrad de son soutien et de son accompagnement pour la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. Nous quittons Nioro très satisfaits. Nous avons rencontré le grand religieux qui nous a vraiment compris. Il nous donne son soutien et son accompagnement pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le pays. La délégation du Recotrad de la commune 1 est retournée à Bamako très satisfaite.
Et c'est ce qui met fin à cette session de formation sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à tous de l'avoir suivi avec attention. Par anticipation, nous souhaitons une très bonne fête de Tabaski à tous nos téléspectateurs du Mali et d'ailleurs. Ambiance, mais prudence. Allez doucement, n'empêche pas d'arriver. Bonsoir.